L'absence d'information est liée à cette difficulté, à cette confidentialité de ces négociations. On peut l'entendre. Mais ce que nous, on aimerait entendre en revanche, c'est que l'on nous dise, il y a des choses, ça avance, ça avance. Parce que notre vie, elle est suspendue à ces mots-là, hein. Ça avance, ils vont revenir. À l'occasion donc de ces 3 ans de détention, nous avons une pensée toute particulière pour les otages français actuellement détenus. Alors il est vrai que cette commémoration, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, est dédiée à Daniel, Marc, Pierre et Thierry, mais que nous associons avec beaucoup d'émotion les familles des otages actuellement détenus. La preuve de vie est là, il faut qu'il y ait la volonté des deux côtés d'aboutir, et on estime que le président qui a voulu cette filière doit pouvoir prendre les bonnes décisions maintenant pour faire sortir nos proches rapidement.